Et là, est-ce que le son est bon hum, Je pense que c'est bon. Ah, je crois que j'ai un petit écho. Hop, juste. Voilà. Le son est bon. Parfait. Voilà, je me coupais juste le retour dans, dans la console Twitch parce que ça aurait pu être un peu gênant, même si elle était sur le casque. Bon, c'est toujours un petit peu gênant d'entendre les résumements. Bon, ben. Et avec le Bluetooth, c'est un générique euh, dessiné de Goldorak qui se met en route. <laughs> Salut Ritti. Tu sais que ça m'est arrivé une fois, mais n'était pas avec le Bluetooth à l'époque. C'était avec un CD audio que j'avais laissé dans... <laughs> dans le lecteur et manque de bol. Euh, voilà. C'était ça, dé... ça a démarré euh, un jour midi euh, où je prenais mes... mes collègues pour aller manger à un restaurant à l'extérieur. Ah Bon, mes collègues ils savaient que <laughs> j'étais fan de Goldorak mais ils savaient pas que j'étais à ce point là quoi. Bon, dommage. <laughs> bon, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. C'est pas bien grave. Euh... Enfin, on rigole bien. Ouais ouais bon. Bon en tout cas ouais salut à tous en tout cas. On vient de repasser à neuf, c'est cool. Aujourd'hui, ça a été assez difficile de Pour trouver un sujet de stream. Dimanche, ça n'a pas été facile parce que j'étais été parti sur une première idée. J'avais envie de qu'on étudie ensemble comment fonctionnait le basique, comment stocker les instructions en interne, et tout ça. Et donc j'étais parti dans l'idée, euh, à coup de pique et de poc, on allait pouvoir euh, bidouiller un peu le basique, euh, faire des choses comme ça. Et bon, je vous... salut Guillaume Et du coup, l'idée c'était euh, de refaire un programme basique qui allait faire l'équivalent de la commande liste. C'est une idée sympa comme ça, mais c'est nettement plus compliqué que ce que je pensais. En fait ce que je pensais savoir, ben, je me suis aperçu que je croyais des choses qui étaient fausses, donc ça euh, lui rétit. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu raté j'étais pas prêt pour faire le stream. Il euh, y avait eu aussi d'autres choses que je voulais vous montrer. Euh, T'as fait ça sur VG5000, cool. Et du coup, en fait, l'autre le... sujet que j'avais dans la tête, c'était de vous montrer euh... Euh, Turbo Rascal, les nouvelles versions. Mais bon, euh, c'est toujours pas assez stabilisé au niveau CPC euh, 6128, quoi, enfin support du CPC, euh, c'est pas encore ça quoi. Il y a d'autres machines qui progressent bien. Sur le papier apparemment, il y a quand même des choses qui ont été faites hein, mais bon euh, globalement, euh, j'ai pas été du tout convaincu par Turbo Rascal pour l'instant, donc euh, bon. à suivre mais bon pour l'instant, voilà quoi, ça c'est pas encore euh, avec ça que je vais m'amuser à développer sur CPC euh, via Windows. Donc, bon. Puis il y avait aussi une autre idée qui m'avait été euh, proposée euh, par euh, Crazy Piri. Euh, L'idée c'était d'étudier ensemble le source de Wrecking Ball, un des, des derniers jeux de la Retro Dev. Et bon, euh, c'est très très bien pour du basique hein, franchement c'est un très bon jeu d'ailleurs il a terminé premier des jeux basiques et sixième avec, euh, avec un score identique au cinquième euh, sur le classement général pour un jeu en pur basique euh, alors qu'il affrontait des jeux euh, développés en assembleur je trouve ça fabuleux franchement c'est un jeu où il y a même carrément une musique euh, qui se joue en même temps et qui se joue au clavier c'est un casse-brique euh, c'est très très fort hein, franchement Bon, par contre, c'est de l'astuce fou furieux de programmation basique. Euh, bon, je me suis dit, euh, c'est quand même pointu comme sujet. Je ne me sentais pas de le, de le préparer. Donc, bref, je me suis dit, tant pis, on va se rabattre sur une solution de facilité. On va parler d'un sujet euh, que je maîtrise déjà parce que là, j'avais déjà plus le temps de, de préparer euh, tout ça. Et donc, je m'étais rappelé que j'avais un bug à corriger sur mon jeu. Et c'est là qu'est le premier fail. C'est là. Il faudra le, le, le faire un jour. Oui, mais c'est clair, je le ferai un jour. Et donc voilà, je vous ai dit que sur les, sur les réseaux sociaux, j'avais dit qu'on allait en corriger ensemble un bug. Bah c'est là qu'est le fail. Le bug, je l'ai déjà corrigé en fait. <laughs> immense. Mais bon, c'est pas grave, c'était avant tout un prétexte pour étudier le code ensemble, donc on va l'étudier. Je vous montrerai l'endroit le, où j'ai déjà fait la correction en fait. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Le, le prétexte est devenu un peu fallacieux, mais bon, c'est comme ça. Ah, que seraient mes streams sans les là hein Mais bon, il peut y avoir pire, hein, parce que. Là, Une demi-heure avant, mon PC euh, il, a, il a lâché, il, il m'a fait un, une sorte d'écran bleu. Oui, il y avait un bug, Mike, mais c'était pas un gros bug, c'était euh, Guy Corex qui l'avait trouvé en fait, euh, une partie du scénario en fait, euh, quand on faisait la bonne action mais pas dans le bon tableau, ben, sans qu'il y ait pour autant une raison logique. tant qu'il y a une raison logique, ben en fait, la, la bonne action ne pouvait se faire que à un endroit bien précis, euh, à un tableau bien précis, alors qu'en fait, euh, tout mon jeu euh, fait qu'on euh, peut faire ces actions euh, à l'endroit qu'on veut, du moment qu'on a tous les objets pour la faire. Et c'est logique en hein, soi. Si on a un inventaire, euh, c'est bien qu'on transporte des objets, donc si on a une action sur ces objets-là, qui n'est pas en lien direct avec euh, un lieu, il ben, n'y a strictement aucune raison que l'action ne euh, puisse pas se faire ailleurs. Donc euh, le bug, c'était tout simplement que du code qui était euh, marqué directement dans le code d'un tableau, et ben, en fait, il fallait le mettre dans la partie commune. Donc voilà, ça c'est grosso modo, on va dire, la, la structure de base de, du programme. Savoir qu'est-ce qui est spécifique au tableau et qu'est-ce qui est générique et donc du coup euh, tout ce qui est générique voilà c'est des choses qui vont devoir être gérées tout le temps et le problème c'est que du coup plus vous multipliez les actions génériques plus vous augmentez la mémoire nécessaire pour gérer euh, votre jeu parce que voilà tout ce code là il sera toujours présent en mémoire alors que le code des actions spécifiques ben il est chargé le moment où on est sur le tableau puis dès que vous passez à un autre tableau il passe à la trappe, c'est pas grave donc vous limitez la mémoire utilisée. Voilà, et la gestion de la mémoire c'est un sacré problème en fait hein, pour ce jeu parce qu'on on frôle tellement les limites euh, voilà. après. Il y a plein de choses qui seraient à optimiser de toute façon. Hein. C'est un projet qui a été commencé alors que j'étais ado. Euh, et à l'époque, j'avais bien sûr qu'un CPC. Donc pour faire des, des éditions du programme, c'était une, une, une véritable cata quoi, avec l'éditeur de base du basique. Euh, Le problème aussi, c'est qu'au départ, j'avais fait un programme monobloc. Et puis au final, à m'apercevant que ça ne passait pas. J'ai saucissonné le, le, le bloc en, en, en un bloc principal et le bloc des tableaux. Puis après, je me suis aperçu que même le bloc des tableaux, euh, il était trop gros. Donc le bloc des tableaux, je l'ai saucissonné, saucissonné en trois. Enfin, c'était... Salut Darksef Donc du coup, euh, voilà, c'était vraiment euh, la croix et la bannière. Salut Pif <laughs> La fin des montagnes je n'ai pas le masque lapin. D'ailleurs, je, je n'active pas les, les, les masques. Et d'ailleurs, ouais, je, je reviens au, à la gestion des caméras. J'ai souvent eu des problèmes de freeze sur mon Windows. Et là, récemment, j'ai eu, enfin, juste peu de temps avant le, le stream, j'ai eu mon, mon PC qui m'a fait un écran bleu, mais d'un type que j'avais jamais vu. Euh, avec une icône, une espèce de QR code et tout ça, et disant que le, mon PC allait redémarrer et tout. Et. Depuis ma réinstallation de Windows, c'est la première fois que ça, ça m'arrive, et j'ai remarqué que c'était ma webcam qui était activée avec son logiciel spécial de gestion d'incrust. Donc du coup, euh, je me dis que finalement, la source de mes frises, c'était peut-être le, le logiciel de la webcam, Peut-être. Ça peut être une combinaison de plusieurs trucs en même temps. Voilà. Écran bleu d'un type. Euh... <laughs> On va le taper. Ouais, c'est clair. Elle ouais, est tapée Bill Gates, enfin il est plus aux commandes maintenant. Enfin, voilà, c'est les joies de l'informatique moderne. Maintenant. Mais bon, faut pas être mauvaise langue. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait mumuse avec CPM hein, sur CPC. Euh... <laughs> c'est du pareil au même. Hein. Le... Le CPM n'est pas du tout stable. Il hein. y a plein de programmes qui nous sont livrés qui sont buggés à mort. Euh... Genre, le logo euh, du <laughs> qui nous est livré avec l'Amstrad le, le CPC, il est buggé, il manque des instructions qui sont pourtant marquées dans le manuel. Il euh, y, y a plein de choses comme ça. Tu, tu lances des programmes sur le CPM, ils finissent par planter. Quoi. Voilà. Donc, euh, la stabilité ancestrale des ordinateurs d'avant, euh, elle était toute relative. Hein. Bien sûr, un CPC avec son système a en ROM qui boutait un, moins d'une demi seconde, ça pouvait paraître stable, mais bon voilà, si, si plantait c'était pas grave quoi, de toute façon donc on le retenait pas. Quoi. Voilà. Bon bah du coup on va passer à... au vif du sujet. Hop, voilà voilà. Alors du coup là ce que je vous montre pour une fois c'est le source basique mais euh, uniquement dans dans le l'éditeur euh, assembleur de WinAPE. Il a une fonction read basique et il permet ainsi de récupérer le code basique. J'ai préféré faire ça parce que ce sera plus visible qu'avec l'écran de, de l'Amstrad, vu que là on aura quand même un, un gros paquet de code. Alors par contre je m'excuse pour ceux qui ont déjà vu mon précédent stream où j'ai parlé de, de, de l'île au trésor. Il va y avoir un petit peu de redite, mais c'est nécessaire, sinon on ne pourra pas aller plus loin que la, la fois précédente. Je vais, par je vais aller un petit peu plus vite pour euh, la première partie. Et comme ça, on, on, avancera, euh, et on, av on avancera un poil plus loin dans, dans le sujet. Donc là, le premier programme que je montre, c'est L24. C'est tout simplement le lanceur L. Et 24, c'est sa 24e version parce que <laughs> il fallait faire évoluer le programme. Et on n'avait pas trop de choix sur le CPC à l'époque. Ce qui est important, c'est d'avancer vers l'avant. Ouais il faut poser le contexte ouais comme tu l'as dit Guillaume <laughs> ouais mais c'est mon stream donc j'ai le droit de contextualiser ah c'est une petite private joke j'ai eu une formation euh, orientée développement personnel communication psychologie euh, du travail et on m'a expliqué qu'en fait euh, un de mes gros défauts c'est que je suis trop bavard et que je contextualise trop les choses et bon c'est mon stream donc je contextualise à ma guise bon donc trêve de plaisanterie revenons à nos moutons donc le lanceur il sert effectivement donc à faire une toute petite présentation au départ euh, en mode texte Expliquer les choses, quel défaut trop bavard, ça hein, je ne trouverai plus jamais de travail. <laughs> ah mais ça, mais tu sais notre croco, attention. Euh, moi une fois je me suis amusé à faire euh, le chronomètre de... du temps de parole de chacun en entreprise et il y a eu des grosses surprises en fait. J'étais soi-disant trop bavard, je parlais trop, mais il y en avait qui me disaient ça, qui parlaient plus que moi. C'est fort ça. Mais bon. C'est comme ça, hein, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, on va, on est, je ne suis pas là pour régler mes comptes là, avec d'anciens avec collègues. Voilà. Donc, le lanceur, euh, il sert à, effectivement à précharger euh, des, des choses en mémoire. Donc, il va servir à précharger. <laughs> il y a des chiffres. <laughs> c'est mon côté analyste ça je veux rester factuel voilà donc euh, le truc voilà va me permettre d'initialiser la palette de charger des librairies euh, donc notamment pack qui sert à gérer le bloc supérieur des de 128k et euh, autre chose aussi euh, il me sert à du coup à précharger dans les 128 cas supérieurs, la, les, les écrans graphiques du jeu. Donc euh, l'écran euh, 41 qui est un gros écran, euh, un truc plein écran qu'avait fait euh, mon ami Bruno pour se faire plaisir, et voilà, il m'a servi aussi pour faire l'écran d'intro. Euh, je charge la librairie DE.bin qui venait de Amstrad 100% qui sert à charger les programmes d'OCP Studio, euh, Art Studio, quand euh, ils sont compressés. Et après, voilà, j'ai des RSX, UM Save, enfin bar M Save, qui permet de, de sauvegarder euh, ces fichiers qu'on a chargés à l'écran dans le, le bloc supérieur. En basique, euh, sur un Amstrad CPC, euh, on avait le, le programme d'extension Bankman qui permettait de faire ça hein, sur un Amstrad CPC 6128, mais le programme MPAC de, de Longshot est bien meilleur. Il prend beaucoup moins de RAM et il est beaucoup plus efficace. Et le comble, c'est qu'en en ayant parlé avec Longshot, il m'a dit Oh, mais ça, c'est un de mes premiers programmes il y a moyen de faire beaucoup mieux maintenant. Ah, D'accord <laughs> Donc après euh, là je charge des écrans et puis zozo.cr en fait euh, c'est ce sont des données euh, euh, que j'avais créées en binaire et du coup pour pouvoir compresser ces données j'ai utilisé le, le compresseur euh, de OCPert Studio euh, pour comprimer mes données pour qu'elles prennent un peu moins de place sur la disquette. Voilà. Mais là du coup c'est plus du tout des écrans, même si j'ai appelé le fichier .scr. Euh, ensuite, je fais l'initialisation de la palette, euh, je déclare quelques variables, je redéfinis les symboles, je charge une fonte euh, qui s'appelle half-size qui, euh, qui a été créée par euh... Ah, je me souviens plus, désolé. Euh... Et d'ailleurs je crois que ce n'est plus vraiment nécessaire maintenant. Il faudra que j'optimise ça. Parce que je crois que comme j'utilise, oui par son créateur. Et en fait, euh, il me semble maintenant que comme j'utilise la librairie euh, de RetroPoc, il me semble que du coup je n'en ai plus besoin de cette fonte. Donc peut-être que je pourrais enlever ces... Mais bon, je remercie son créateur malgré tout parce que dans une version antérieure, euh, l'affichage de, de mon jeu se faisait en pur basique. Et euh, du coup, euh, j'avais une fonte euh, avec une taille réduite à 4 caractères de large. <laughs> Et euh, du coup, euh, avec des moves, ça, je, je faisais un affichage en mode 0, mais qui me permettait d'afficher 40 caractères sur l'écran euh, au lieu de seulement 20 avec les caractères standards euh, du CPC. Donc la fonte est certes moins lisible, mais en mode 0, on n'a pas le choix. Et étant donné que mon graphiste n'avait pas voulu travailler en mode 1, bah, j'étais bien contraint de trouver un autre système. Et à l'époque, c'est mon ami Benjamin Gilles qui avait trouvé une routine pour le faire. Et voilà. Du coup, ensuite, il y a une petite astuce que j'ai créée là pour faire une, un, un petit bout de code ici qui me permet d'automatiser euh, la gestion des réponses par défaut euh, pour certains verbes euh, en fait euh, donc euh, dans ces jeux là il y avait euh, souvent euh, la syntaxe on tapait le verbe à l'infinitif on tapait ces mots et vous vous souvenez en fait euh, mon jeu à la base je voulais euh, qu'on puisse taper toutes les instructions euh, en toutes lettres euh, et à l'époque, mon graphiste a dit non, c'est mauvais, ça, c'est préhistorique, ça serait mieux de faire un truc moderne euh, où on choisit ses actions avec des icônes ou dans une liste déroulante et tout ça. Moi, je trouvais ça un petit peu compliqué, on perdait de la liberté en plus. Euh, bon, J'avais envie qu'on puisse taper les verbes n'importe comment et tout ça. Donc on avait trouvé le compromis, on continue à taper le verbe, mais ensuite on choisit dans les icônes, euh, les, euh, enfin d'aller avec euh, un menu, euh, les objets, et puis on peut aussi... Euh, sur l'écran. Donc euh, et au final, bah, en ayant repris le projet, bah, finalement, euh, j'ai respecté l'idée de départ de, de Bruno, euh, qui est un truc complètement euh, au, au curseur, aux flèches, sans avoir le moindre verbe à taper. Quoi. Voilà. Donc voilà. Du coup, avec les, les réponses par défaut ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un octet de départ et une longueur. Et ça, après, ça nous dit simplement, va en mémoire, chercher à cette adresse-là la réponse pour le verbe ouvrir, qui fait tant de caractères. Taper, c'est chiant, surtout si on ne connaît pas la syntaxe. Et oui, TSM. Hein. Mais bon, de notre côté, quand on t'a donné quelques éléments, euh, le fait de taper, ça te donne une liberté totale. quoi Et du coup, tu peux taper des insultes et tout ça, et tu peux rigoler un peu, euh, des réponses et tout ça. c'est Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quoi. Bon, je connaissais pas le test de Turing à l'époque, mais j'y étais presque. Quoi. Et donc du coup, euh, le lanceur, il va faire euh, chain C88, donc il va charger le corps principal. Donc euh, c'est la 88e version du, <laughs> du corps principal, c'est-à-dire le, le nombre de versions successives que j'ai pu faire. Euh, et ensuite, il va charger euh, des, euh, des données numériques qui servent quand on, est, on se déplace sur le tableau pour savoir si la case est une case où on peut poser un objet ou si au contraire c'est une zone inaccessible et comme ça on peut avoir une réponse par défaut par exemple quand on veut poser un objet dans une case du tableau qui représente le ciel bon bah ben ça il y aura une réponse par défaut qui dira zone inaccessible voilà. bon du coup maintenant le corps principal du programme donc je remonte au tout début la toute première instruction, ligne 1, c'est compte Et ça, ça sert à dire au programme vous avez beau appuyer sur deux fois échappe vous n'accéderez pas aux sources du code basique. Et bon, ça permet aussi, comme ça, d'éviter, si par erreur on appuie sur échappe, de perdre sa partie. Je rappelle que mon jeu n'a pas de sauvegarde. Et à l'époque, sur CPC, sans sauvegarde, vous deviez tout relancer depuis le début. Quand on se rappelle que le jeu met plusieurs minutes à se lancer, un peu galère quoi. Alors du coup après, euh, il va charger l'écran du jeu, donc euh, l'écran de l'interface, et il va aller à la ligne 3000. Donc on va aller de suite à la ligne 3000. Vous voyez, on, il y a quand même beaucoup de logs, beaucoup de listings de, de code à passer. La ligne 3000, il y a un rem. Et on a une variable non fichée. On reçoit sheets.bass. On dit que le numéro de ligne, c'est 3000. Et on dit goto 2720. Euh, vous voyez, là, j'aurais pu faire goto 3020. Hein, mais bon, comme je l'ai déjà détaillé, euh, c'est pas non plus. Euh... <laughs> une performance énorme. Je ne sais pas ce dire d'un jeu auquel j'ai joué, mais il y en avait. Mais les jeux d'aventure, c'était très fréquent qu'ils aient une possibilité de sauvegarder les jeux. La, la, la partie, hein. SRAM le faisait, La Chose de Grotembourg le faisait, euh, il me semble que Sapiens le faisait, valait mieux d'ailleurs, hein, vu la, la durée de vie de ce jeu énorme, heureusement qu'on pouvait sauvegarder. Voilà et euh, en tout cas ouais, tous les jeux d'aventure je, auxquels j'ai joué permettaient de sauvegarder la partie quoi. alors du coup en ligne 720 on lance la commande chain merge chain merge voilà qui va euh, fusionner le programme qu'on lui passe en paramètre et qui va lancer le programme chargé à la ligne qu'on lui passe en paramètre et en plus de ça on lui dit euh, S'il te plaît, efface-moi toutes les lignes à partir de la ligne 2995. Donc à partir de là, hop, on efface tout ça. Alors ça, c'est génial, cette instruction. C'est ça qui a permis de rendre le jeu beaucoup plus facile, et faire, qui lui permet de rentrer en mémoire. C'est parce que le fait qu'on puisse mettre un nom de fichier en paramètre pour faire un chain merge, c'est assez génial parce que du coup on a la possibilité de charger n'importe quel fichier qui est sur la disquette. Et en plus de ça, on peut dire, mais démarre à telle ligne. Alors bon, démarre à telle ligne, à la limite, vu que je charge à chaque fois des fichiers indépendants, j'aurais pu faire commencer tous mes fichiers à 3000. Et puis voilà, on démarrait toujours systématiquement à la ligne 3000. Ça aurait été même plus propre, je pense, de faire comme ça. Sauf que comme je vous l'ai dit, à la base, c'était pas un fichier par tableau, c'était trois gros morceaux de tableau. Et du coup, bon bah, quand j'ai saucissonné ces trois gros fichiers en plusieurs petits, j'ai pas renommé, renuméroté toutes les lignes. Ça, ça me saoulait. Voilà. Et euh, vous allez me dire, mais pourquoi Eric, tu n'as as pas pensé il y a, au tout début du programme, quand tu faisais ça en 94, 14, pourquoi tu as pas pensé à faire plein de petits fichiers C'est Grosso modo, j'avais tous les éléments en main pour le faire. C'est d'une part, sur un CPC, couper les petits, le gros fichier en petit, c'était beaucoup plus compliqué. <laughs> Merci mon connard et euh, du coup euh, il aurait fallu que je charge le gros fichier, que j'efface toutes les lignes qui étaient en trop hop, ensuite je sors sur un petit fichier je recharge le gros fichier je coupe les bonnes lignes et ainsi de suite jusqu'à... enfin bref, faire ça avec euh, là, sera de CPC en 94 euh, ça me sortait par les yeux le CPC, j'en pouvais plus quoi. je, je passais au PC, euh, j'avais plus envie de m'embêter euh, voilà, mais bref j'ai loupé une bonne occasion de terminer le jeu à cette époque là à cause de ça. Quoi. Et donc euh, du coup, maintenant on va regarder le programme Sheets. Et en fait, je, si je l'appelais Sheets, c'est parce que c'est un des derniers trucs que j'ai codé euh, qui me permettait de tricher. D'ailleurs, je ne me souviens même plus si je l'avais appelé comme... si je l'avais fait à l'époque ou si c'est pas euh, après coup que j'ai fait ça. Euh, ouais, je crois que j'ai fait ça euh, quand j'ai repris le projet. Et en fait, euh, du coup, euh, à l'époque, je me souviens, euh, c'était vraiment euh, très très embêtant à chaque fois de recommencer depuis le début du jeu pour aller corriger des bugs à la fin euh, dans les derniers tableaux. Quoi. Parce que euh, s'il y a bien un truc qui nous enquiquinait dans, dans tous les jeux, c'était les temps de chargement avec les disquettes. Et pourtant le CPC était un des jeux, un euh, des ordinateurs 8 les plus rapides, euh, rapides sur, euh, sur cet aspect là. On aurait eu un C64, pff, ce serait lamenté. Quoi. Et euh, du coup, euh, si j'avais fait des gros blocs de basique comme ça, c'était aussi pour ça. Parce que mine de rien, euh, quand vous chargez un, un tableau dans mon jeu actuellement, vous chargez un programme basique, une image en binaire, euh, parfois même d'autres petits fichiers en plus. Euh, du coup, euh, charger plusieurs fichiers, ça prend systématiquement plus de temps en fait. Alors quand vous chargez un gros fichier, bon mais ben, vous avez un temps de chargement, mais ensuite ce qui était épatant c'est qu'une fois que tous vos tableaux étaient chargés, euh, ben, le, passer d'un écran à l'autre ça prenait que quelques secondes, ça prenait nettement moins de temps. Donc euh, voilà quoi. Et là du coup euh, bon, ben, le programme Sheets il me permet de, de choisir le, mon écran de départ. Donc par défaut. On se met sur la ligne 3000 et on charge le premier programme du jeu. Et donc on va à Goutou 2720. Et comme vous avez vu, le, le, la ligne 2720, elle va tout bêtement effacer tout ce qu'il y a au-delà de la ligne. Donc en fait, tout ce qui est après, ça sera effacé. quoi Donc le tableau T1 est lancé et rien d'autre. Mais si je veux tricher... Je commente la première ligne. Et ensuite, bon, il y, euh, y a une petite procédure ici à lancer. Euh, on verra plus tard ce qu'elle fait. Mais grosso modo, elle me permet de réinitialiser tout le contexte de mon jeu euh, comme il faut, de mon moteur de jeu. Et ensuite, avec euh, ces premières lignes-là, je remplis mon inventaire des objets que je veux. Et ensuite, je fais. F égale 2 pour dire, bah, tiens, je veux charger un écran qui est sur la deuxième face. J'appelle à la ligne 2620 du corps principal. Euh, hop, et si je vais en 2620, hop, en fait, il y a une petite routine de rien du tout qui dit, ouvre-moi un fichier qui s'appelle face. Et sur mes disquettes, il y a sur chaque... Euh, sur chaque face de disquette, il y a un fichier qui s'appelle face. Et je lis ce, ce fichier. Je mets son contenu dans une variable face. Et donc, si la, la variable face est différente de la variable f que j'ai passée en paramètre, alors, je passe en ligne 2570. Et je dis, veuillez insérer la face et appuyer sur espace. J'appelle Gosub 1200 qui me permet d'afficher ce message. J'attends qu'on appuie sur espace. Sinon, je boucle. Et ensuite, bah, je recommence à réouvrir la disquette. Et ainsi de suite. Et si jamais, par contre, face est égale à f, ça veut dire que je suis sur la bonne face. Et hop, je... Ce n'est pas une triche, c'est une astuce pour citer un programmeur. Mais TSM, à la base, les cheat codes servaient qu'à ça, en réalité. Les cheat codes étaient laissés par les programmeurs dans le, dans le code, euh, mais en réalité, ils n'étaient pas là pour permettre à l'utilisateur final, au joueur, de tricher. Ils étaient là pour que le programmeur puisse atteindre plus facilement la fin des niveaux, et vérifier qu'il n'y a pas de bug à la fin. Parce que sinon, t'imagines bien, le programmeur... Euh... <laughs> Ça le ferait suer de rejouer euh, x fois euh, aux 10 premiers euh, niveaux de cybernoïdes pour, euh, pour euh, vérifier que le 11e euh, ou le 12e n'est pas buggé. Voilà. Donc, euh, au final, grâce à mon programme Sheets, ben, je pouvais faire ça. quoi. Donc, une fois que j'avais chargé mon fichier, enfin, j'avais mis ma bonne face de disquette, je lui donnais le nom du fichier et je le chargeais comme un autre programme. Et puis après, voilà, j'avais plus qu'à lancer une petite routine qui m'affichait un message. Bon, ben là, je mettais test juste pour débugger. Ensuite, euh, j'avais GoSub250, on va voir bientôt ce que c'est. Et ensuite, ben, tout simplement, je reboucle. Et en fait, GoSub250, on va vite voir ce que c'est. C'est la boucle de... Principalement mon jeu. Alors là, ça tombe mal, c'est commenté, mais parce que c'est l'ancien code. Et du coup, euh, en fait, ça me permet de d'afficher ma liste de verbes disponibles. Et euh, du coup, euh, avec ça, euh, bah, soit j'affiche Suivant le contexte, et donc là par défaut, euh, je vais afficher les, le premier groupe d'instructions. Nord-sud, est-ouest, donc les instructions peuvent se dépla euh, déplacer. Et ensuite, euh, les autres verbes. Et je vous rappelle que le, les verbes, je ne les avais pas triés par ordre alphabétique, mais par ordre de euh, fréquence d'utilisation. Et du coup, euh, voilà. Alors en fait, je lis les 26 verbes d'un coup, mais. Euh, ma procédure ouais voilà sais ça je me souviens maintenant euh, j'affiche un ou j'affiche soit les 13 premiers soit les 13 suivants euh, en fonction du coup voilà j'avais compacté le nombre de, de verbes nécessaires pour le jeu à 26 euh, ça faisait 2 fois 13 ça tombait bien euh, l'inventaire euh, mon mode d'affichage me permettait d'afficher 13 objets sans avoir à, à, à refaire un, un écran. Donc, du coup, pour les verbes, au départ, il devait y en avoir un peu plus que 26. J'ai comprimé un petit peu le scénario pour ça. J'ai fait en sorte que il y a des endroits où bon, vous pouvez utiliser un autre verbe. Bon, j'ai un petit peu arrangé pour limiter la liste des verbes. Et du coup, voilà. Du coup on perd un peu de temps en achage de, de texte mais ça permet quand même d'avoir une interface à 100% avec les flèches donc c'est pas trop mal. Et surtout bon bah grâce à la librairie de RetroPoc, bah ça a quand même permis de, de grandement accélérer l'affichage. Franchement, j'aurais bien aimé <laughs> avoir cette librairie à l'époque hein. franchement elle aurait tout révolutionné je pense que je l'aurais eu à l'époque je pense que le jeu je l'aurais terminé c'était beaucoup plus motivant mais bon après euh, j'avais réussi à terminer le jeu sans donc euh, bon mais c'est quand même super comme bon du coup euh, ce qui s'est passé euh, la le tableau qu'il fallait corriger, il était sur la troisième face. Et euh, du coup, il avait des actions euh, spécifiques, euh, enfin des actions, euh, on va dire, euh, avec des objets, euh, dont un qu'on trouvait dans ce tableau-là, mais qu'ensuite on pouvait de toute manière en prendre. Et, euh, et donc, du coup, j'avais laissé le code de ce tableau. Euh, dans le code de ce tableau l'action avec cet objet là bon c'était un peu dommage alors du coup je vais quand même faire, je vais quand même vous montrer un code de, de tableau parce que là justement je ne vous avais pas montré ça alors hop, load euh, bah tiens on va charger le premier tableau Donc, je fais... Hop. Euh, ah, hop. Show Assembler. Hop. Hop. Donc... Euh, mais il est un petit peu tatillon. WinApe, hein. quand on lui réduit sa fenêtre, il fait un peu n'importe quoi. Je mettais un peu de temps à la retrouver. Donc, mon code de tableau, en fait, la première chose que je lui dis, c'est tu es dans le tableau Z et Z vaut 1. Et du coup, je lui dis go sub 10 Et là, on va voir ensemble dans le code principal, la ligne 10. Hop C'est... Prends la... ton numéro de tableau, et du coup, tu vas charger le fichier qui s'appelle nom-du-tableau.cru. Cru, c'est euh, le compacteur, ça cruncher le fichier. A la base, ce sont des fichiers point .win de OCPR Studio. Mais euh, à l'époque je n'avais pas voulu utiliser le compresseur de, de OCPR Studio parce qu'en fait je m'étais aperçu qu'on gagnait très peu de place. voire des fois on se retrouvait même avec des fichiers euh, <laughs> compressés qui étaient plus gros que l'original. Donc euh, étant donné que qui puisait ça alourdissait, le, ça demandait d'utiliser plus de mémoire, que ce n'était pas efficace, c'était plus lent et que de toute manière en plus je crois que je n'avais même pas de, de programme à l'époque pour, pour gérer ses, cette compression. J'avais dit bon bah tant pis on laisse tomber. Alors qu'à côté de ça j'avais été euh, j'avais fait moi-même la routine pour afficher les points win non compressés. Euh, bon, je ne me suis pas embêté. Et là du coup euh, plus tard, quand j'ai repris le jeu, j'ai découvert ces principes là de, de cruncher. Donc ce sont des compacteurs qui fonctionnent sous DOS ou sous Windows, qui vous compressent vos fichiers, et ensuite ben il n'y a plus qu'un décompacteur qui existe sur, euh, sur le qu'on met sur le CPC qui vous décompresse les fichiers. Et du coup l'avantage c'est que bah, votre PC sous DOS ou sous Windows il est beaucoup plus puissant, il peut vous compresser plus efficacement, plus rapidement les, les fichiers. Bref. Donc une fois que j'ai défini ce nom de fichier, je le charge en mémoire, bon à l'adresse 6b22, c'est comme ça j'appelle un programme qui va me décompresser le, le fichier et me le placer à, une, à un endroit bien précis de la mémoire. Ensuite euh, je suis obligé euh, de dire que j'efface la zone de réponse. Donc euh, c'est la zone qui est en bas de l'écran. Et donc pour ça je, je dis ben, la variable réponse vaut rien et je fais sub 1200. Ici, ça cette instruction, c'est l'instruction pour dire nettoie la mémoire. Parce que voilà, le, le basique il a, il a besoin régulièrement qu'on lui demande de défragmenter un peu son espace mémoire. Et ensuite, j'appelle un en assembleur le, la routine à l'adresse C7D0 et ça c'est une routine que j'ai fait moi-même à l'époque. Mais on l'a déjà vu ensemble lors d'un précédent stream, donc je ne vais pas y revenir. Donc voilà, là on a vu la première instruction faite par mon jeu dans le premier tableau. Donc vous voyez en fait, c'est là que le basique il est à la fois simple et finalement pas très lisible. GOSUB10 là c'est pas lisible quoi ça serait quand même nettement mieux si j'avais pu mettre GOSUB euh, une étiquette bien claire quoi plutôt que la ligne 10 mais bon euh, le problème c'est que voilà le basique il est très très vieux il y a des basiques beaucoup plus récents qui permettent de, de plus avoir besoin de mettre des des lignes et tout ça et qui permettent de mettre des étiquettes c'est beaucoup plus lisible mais voilà quoi donc ensuite euh, je définis la légende donc ça c'est ce qui va s'afficher sous l'écran euh, du, du jeu, enfin sous, sous le tableau et donc euh, légende, le port vous vous souvenez le premier écran de mon jeu c'est un port où on arrive et euh, du coup euh, go sub 100, on va voir ensemble le code à la ligne 100 de C88 donc, dans l'émulateur c'est mieux voilà Ligne 100, on, se place, on redéfinit la fenêtre graphique de la zone de légende. On l'efface. On bascule avec Graphics Pen. Donc ça, c'est une instruction spécifique CPC 6128. C'est le genre de choses qu'il faudra que je corrige si un jour je veux faire une version CPC 464. Je ne suis pas pressé, hein, franchement, je vous le dis tout net. Euh, et donc, du coup... On se positionne au tout début de la zone. Ensuite, là ce que je fais, c'est vous voyez, je, je prends la variable légende et je la concatène avec des une série d'espaces, le caractère 32, de manière à ce que ma légende fasse 16 caractères. Donc, euh, bon, c'est pour une, une question pratique, je voulais Faire une boucle sans m'embêter à, à gérer euh, les espaces. Logiquement, avec le CLG 0, euh, j'aurais dû être tranquille. J'avais déjà effacé toute la zone. Je sais pas pourquoi, à l'époque, j'avais pas pensé. Presque pour une version 464, ah, désolé, Tessel. <laughs> Moi, je suis pas pressé du tout. Enfin, il faut de la motivation hein, pour se relancer là-dedans. Si tu veux ce projet, euh, si à 25 ans, je l'avais laissé tomber, c'était pas pour rien, quand même. Je me suis remotivé pour le terminer, mais là, pff, me remotiver pour me faire une version 464 qui aura quand même besoin de 228K de RAM et d'un lecteur de disquette, <laughs> c'est chaud quand même. Hein. Surtout qu'en plus, euh, Root m'a expliqué une chose c'est qu'en fait, les émulateurs de, de 464 en fait, sont nuls. En réalité, euh, et, et ils, sont, euh, ils ont pris un émulateur de CPC 6128 et ils, ils y changent la ROM et puis c'est tout quoi en fait. Non mais sur cassette TSM, c'est mort. Je ne me programmerai pas sur cassette ce jeu, c'est impossible. C'est hors de question là, là, La cassette c'est niette de niette de niette. Bon, Allez on revient, donc là vous voyez je fais une boucle qui affiche les 16 caractères de la légende et euh, du coup euh, avec l'instruction Move R, donc euh, déplacement relatif, euh, je me décale de 16 pixels, donc euh, vous vous souvenez 16 pixels en fait euh, ça représente que la moitié d'un caractère quoi. Euh, et donc du coup enfin d'un caractère norm normal donc du coup, en mode 0, et donc du coup, après, j'affiche le caractère N de, de, de ma légende, et ensuite, du coup, quand je passe à N plus 1, ben, avec l'instruction move R, de base, je me suis déjà décalé d'un de, de nombre de caractères, en faisant mon print, enfin d'un nombre de pixels, et en me redécalant de 16 caractères à gauche, ben, du coup, je me repositionne dans le blanc que mon petit caractère a laissé sur sa droite. Voilà. C'est toute l'intelligence en fait de l'affichage en basique. Euh, là du coup, ce qu'on peut voir, c'est que dans mon code source, l'affichage de la légende n'utilise pas encore la, la librairie de RetroPoc. Voilà. Euh, D'ailleurs, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. Bon. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Ou alors je suis sur une ancienne version, je me suis trompé. Bon, on verra ça plus tard. Et là vous voyez, je fais encore euh, un appel euh, à la défragmentation de la mémoire. Et après, bien sûr, classique, return. Donc, ensuite, il y a un petit indice facultatif euh, qui, qui est là. Vous allez fouiller la maison de Diogène c'est un petit indice normalement le joueur s'il ne la demande pas il ne la voit pas hein. comme à question pour le champion pour les candidats euh, donc euh, mais je m'étais dit après tout certains jeux l'ont fait ce système d'aide euh, que ce soit SRAB que ce soit l'île de, de Poum euh, donc je m'étais dit après tout, euh, si le jeu paraît un peu dur euh, à certains, euh, bon bah, ils appuient sur F1 et hop ils ont un peu d'aide quoi. Et effectivement dans cet écran là c'est très important d'aller fouiller la maison de Diogène. Mais bon, encore faut-il savoir qui était Diogène. Une version cartouche dess ça fonctionne sur 460. Oui, oui, euh, Tsm, pourquoi pas? Mais la cartouche Des, je ne sais pas si elle a la, la notion de fichier, par contre. C'est ça le, le, le truc. Donc s'il n'y a pas la notion de fichier et si on ne peut pas coder en basique sur une cartouche DS, euh, ben, c'est mort hein, vu que 95% de mon jeu c'est du basique. Euh... Parce que c'est pareil, hein, dans ce cas-là je, je pourrais faire une version euh, GX4000 euh, ou une version euh, CPC 6128 ⁇ sur cartouche. Mais va gérer des fichiers basiques hein, sur une cartouche. C'est pas possible, de toute façon. Ces, ces trucs là euh, certes il y a le BASIC euh, qui existe hein, mais le BASIC comme son nom l'indique euh, c'est du BASIC c'est pour étendre le BASIC qui est en ROM et voilà tu ne pourras pas euh, gérer réellement une cartouche avec ça pour l'instant enfin, à moins que la, la nouvelle version euh, que sortira peut-être un jour euh, Longshot euh, le, le permette euh, bref voilà euh... Bon pour revenir au code, la ligne 3005, euh, j'ai juste un petit code qui dit euh, vous débarquez sur l'île, là c'est la légende du jeu. Et là on vous voyez, on dit gosub 1200. Donc c'est ça qui permet de faire afficher la réponse. Donc, euh, et j'ai une petite variable qui dit arriver pour que grosso modo on ne se réaffiche pas tout ce texte euh, à chaque fois qu'on arrive sur le tableau. C'est juste le tableau d'intro du jeu. C'est le message euh, voilà, qui vous met dans le contexte. Ça, c'était un des premiers retours qu'on m'avait fait euh, lors du stream de Tarodius. Euh, on arrive dans le jeu, il y, y a zéro contexte. Poum on arrive comme ça, deux buts en blanc, sur le premier écran. Donc, euh, un petit peu de texte, c'est quand même pas mal. Quoi. Souvent, à l'époque, d'ailleurs, euh, les jeux, vous débarquaient comme ça, parce que en fait, l'introduction, elle était dans le manuel écrite sur papier. Quoi. Mais Bon, donc maintenant, du coup, je fais un go sub 2350. Alors on va voir ça, ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Ah, ça sent le stream bien préparé. Ça, <laughs> donc en 2350, là, euh, c'est typiquement un truc. Je me dis, c'est le bruit des vagues. Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai rajouté. Euh, quand j'ai repris le projet euh, en 2018, donc c'est un petit, un petit programme que j'ai trouvé euh, dans des revues euh, plus tard euh, partagées sur Amstrad EU qui permettait de faire un bruit de vague. D'ailleurs, le programme d'origine faisait non seulement des vagues mais des bruits de mouettes aussi. Et j'avais décidé de le mettre comme ça en, en générique euh, dans le corps principal du programme. Parce que en fait, il euh, y a plusieurs endroits dans le jeu où euh, on peut entendre le bruit des vagues, puisque comme c'est sur une île, il y a plusieurs endroits où la mer est en proche. Il est logique d'entendre le bruit des vagues. Oui, ça rajoute de l'ambiance. Sauf que en réalité, ben le bruit des vagues, euh, on l'entend que dans le port, euh, et puis c'est tout quoi. Donc euh, là franchement c'est une mauvaise idée, j'aurais dû euh, virer ce code là, le laisser dans le corps euh, principal dans le programme euh, T1 ici, le, le mettre un peu plus loin et, et comme ça il n'aurait pas encombré la mémoire euh, générale quoi, du corps principal. Bon c'est une erreur, euh, voilà. c'est souvent comme ça quand on fait un gros projet, euh, on manque un peu de recul des fois, euh, donc, euh, on ne peut pas toujours tout optimiser. Euh, Sinon on finit jamais le projet quoi. Mais bref, voilà, euh, avec le recul on se dit ça, ça pourrait être amélioré. Quoi. Ou alors je pourrais dire, bon ben voilà, maintenant, euh, tous les moments, <laughs> tous les endroits où, euh, où on peut entendre la mer, on l'entendra point barre. Quoi. Bref. Euh, donc maintenant, une fois qu'on a entendu la mer, on va en 250. Et donc 250, je vous ai dit, c'est une routine qui me permet d'initialiser mon interface de saisie. Donc c'est ça qui va me permettre d'attendre que l'on saisisse un verbe. Hop. Et ensuite, vous voyez que une fois que j'ai fait mon GOSUB 250, je n'en sors que quand j'ai saisi mon, mon action. Et euh, du coup quand je saisis mon action, ben j'ai mon premier mot qui est dans la variable m$. Et donc, du coup, c'est là que je vais mettre toutes mes actions qui sont spécifiques au tableau. Donc, typiquement, les actions de déplacement, ben, si mon premier mot est nord ou sud, ben là, je dis que euh, je vais chercher la réponse euh, qui est à l'adresse 13270, qui fait une longueur 15. Bon, euh, ça je vous le dis tout de suite, euh, je me souviens par cœur, c'est tout simplement euh, que euh, la, le, ce déplacement est impossible. Euh, ça doit être utilisé à même, je crois. Euh, non, non. Ça doit être pour celle-ci. Bon. Euh, alors, du coup, on va sur 2225. Donc 2225. Alors, 2025, on va. Vous voyez un petit peu, là, pour économiser euh, le fait de faire. Euh, euh, d'enchaîner euh, plusieurs instructions, bien, du coup, hop, ici, je fais carrément euh, deux instructions euh, que je n'appelle euh, en qu utilisant qu'une seule. Il fallait vraiment chercher à optimiser. Donc, on va à 1550. En 1550, je vais chercher avec la, la, la RSX UMLOAD le, la, la réponse qui commence avec ma variable deb qui fait telle longueur. Et ensuite, je fais une variable de 32 caractères de long qui contient que des espaces. Et dedans, j'y mets tout simplement les octets que j'ai lus en mémoire. Et je fais encore une fois un appel au garbage collector. Et je fais return. Donc voilà, voilà. C'est vraiment... Je pense qu'il y avait moyen d'écrire ça plus intelligemment avec, euh, avec je pense euh, la... Je sais pas si vous vous souvenez, le truc avec le, le arrow base sur la variable string. Je pense qu'il y avait peut-être un petit moyen de faire ça un peu plus intelligemment. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, voilà, il suffisait qu'ici, euh, je mette euh, tout bêtement euh, la zone euh, de l'adresse, la, la, la variable mémoire qui contient 32 espaces. Et hop, je lui faisais écrire euh, tout bêtement, directement dans cette variable-là. Je pense que ça serait passé euh, en m'indiquant la bonne adresse. Euh, et du coup, je pas besoin de toutes ces instructions. Bon, pas très grave. Hop, petite notif de Windows, rien de grave. Euh, pop, pop, pop. Donc j'en étais où ah. J'en étais à 2225. 2225. Hop. Alors là, vous voyez, je fais go to 1200. Alors, 1200, c'est la routine qui permet de faire acheter une réponse. Or, comme vous le savez, normalement. On, quand on veut appeler une routine, on l'appelle avec GoSub. Sauf que là, j'ai utilisé GoTo. Pourquoi, à votre avis ben, Je vais vous le dire. C'est qu'en fait, euh, quand vous allez faire un GoSub et que, immédiatement, ensuite, vous allez faire un Return, ben, en réalité, euh, si vous faites, dans ce cas-là, simplement un GoTo, ben, le return de la, de la procédure que vous avez appelée, de, de la routine, et ben, il suffira. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de revenir ici pour faire un return. Vous l'aurez fait au-dessus. Donc du coup, vous faites un goto 1200, et vous êtes tranquille, vous faites votre return, que sinon, vous auriez pris la peine de faire un goto 1200, vous y alliez, vous reveniez, et puis finalement vous disiez, ben non, mais ben finalement, hop, je reviens. C'est de l'optimisation. C'est du code moins clair du coup. C'est typiquement ce qu'on appelle de la programmation spaghetti. Mais ça, c'est le genre d'optimisation. Un assembleur, vous le ferez tout le temps. Hein. Il y aura plein de moments où euh, vous allez faire un JMP au lieu de faire un call euh, pour gagner un peu quelques NOP, euh, Et puis voilà quoi. Rood ou n'importe qui qui maîtrise l'assembleur, vous direz combien de, de NOP vous gagnez grâce à ça en remplaçant un, euh, un call RED par un JMP. Euh, de bien avoir parmi vous qui le savent. bon Bref, mais en tout cas, voilà, c'est typiquement, comme je l'ai dit souvent, basique et assembleur ont quand même pas mal de logique en commun. Et là, euh, on est typiquement dans un cas où on y est en plein, quoi. Après, il y a des logiques en commun, mais les performances ne sont pas les mêmes. Hein, on est bien d'accord. Bref. Bon, du coup, je reviens ici. Vous voyez là, on est encore euh, dans les instructions spécifiques de déplacement. Et vous voyez ensuite, on a aussi des actions spécifiques. Euh, avec par exemple le verbe aller. Et euh, si le deuxième mot... Le deuxième mot, en fait, euh, dans mon jeu, ça peut être euh, un mot de l'inventaire qui s'est affiché après qu'on ait choisi un verbe, ou ça désigne une zone de l'écran qu'on a cliqué. Parce qu'en fait, la, la zone qu'on clique, c'est des cases. Euh, à l'époque, on ne se déplaçait pas au pixel. Hein, dans mon jeu, euh, <laughs> on m'avait dit oh Eric, tu pourrais faire un déplacement au pixel Je lui ai dit Non, stop <laughs> Et euh, du coup il euh, le... y a une case qui contient le mot mort et du coup à l'époque j'étais pas obèse mais bon mon scénariste avait trouvé rigolo de mettre un premier périage mortel dès le premier écran le ponton s'effondre sous votre poids et hop et ensuite voilà on affiche la réponse et on va à la ligne 2650 donc autrement dit euh, en 2650 Hop, on a un petit clear input qui ne clear input je crois que ça aussi c'est spécifique au, au cpc464 ça veut dire tout simplement efface tout le buffer clavier pour pas qu'on détecte éventuellement l'appui d'une touche et là après je teste si on a appuyé sur une touche ou pas et Là, du coup, je charge l'écran de la tête de mort et je lance un petit sample de quelqu'un qui crie, comme ça. Et ensuite, euh, ça demande, voulez-vous rejouer ou pas Tout simplement. Et si on veut rejouer, ça lance la ligne 700, ça lance L ⁇ qui est une version allégée du programme L24 qu'on a vu tout à l'heure, qui nous évite de recharger des choses qui sont déjà en mémoire, qui du coup euh, bon, rend la relance un peu moins pénible dans ces cas-là. Et sinon, si on dit oui, enfin si on dit non, on ne veut pas rejouer, je veux dire, ça fait call 0. Vous vous souvenez, call 0 en basique, ben, ça reset le CPC, et équivalent de contrôle le tube. Voilà, ou de CTRL SHIFT ESC. Voilà, voilà. Il y a pas mal de jeux qui à l'époque faisaient ça. Hein. Voulez-vous quitter Oui. Pouf, tu retournais au basique. Alors que, bon, comme c'était un ordi de jeu, bon, la plupart des jeux, ça me fichait éperdument, quoi. Tu, tu joues, tu joues, tu as fini de jouer, tu, on considère que tu es un ordi, quoi. C'est comme si c'était une console, quoi la notion de je lance un programme et je fais une action spécifique pour le quitter bon c'est ça fait application professionnelle mais pour le jeu bon quelques uns le faisaient mais pas tous quoi. pour quitter il y avait aussi échappe échappe ça ne marchait que pour un jeu basique qui acceptait de le faire et euh, même mon jeu ne le permet pas avec l'instruction on break qu'on a vu euh, tout à l'heure euh, bah, tu empêches ton jeu de, 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 de quitter voilà voilà et donc du coup euh, donc euh, là euh, je vais pas trop tarder à terminer parce que le stream de pif Lyon va de, a dû démarrer donc euh, on fait un go 2240 on va voir ensemble rapidement ce que c'est 2240 en fait ça c'est les traitements spécifiques... Euh, non, génériques, pardon. Euh, donc ça, c'est des instructions qui vont marcher partout. Donc, euh, vous pouvez voir que, par exemple, ben, tiens, si j'ai un truc qui s'appelle un grappin, et un truc qui sont une corde, et que je les attache ensemble, il va y avoir une instruction bien particulière qui dit... Bah tiens, euh, dans ton inventaire, tu remplaces l'objet grappin et l'objet corde par un seul objet qui s'appelle grappin-corde. Et hop, après, on met à jour l'inventaire. Et après, il y a aussi des réponses par défaut. Euh, euh, tiens, si tu rames, euh, mais que tu n'as rien dans les mains, il te dit euh, ramer avec quoi Voilà. Euh, bon, il y, y a des petits trucs comme ça. Et là, par exemple, ben, ces deux instructions-là, qui sont là, Ligne 2253 et 2254, ce sont ces instructions-là qui étaient dans un tableau spécifique qu'il fallait mettre là, en fait. C'est ça le dernier bug qui avait subsisté dans mon jeu, qui datait donc <laughs> d'il de... y a 25 ans et que Geekorex a trouvé en finissant le jeu. Voilà, voilà. Donc, euh, on n'a pas réellement débugué ensemble euh, le, le jeu, mais on a quand même vu ensemble une bonne partie de son, de son fonctionnement. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vais donc euh, lancer un raid euh, sur euh, Piflion. Ce soir, il fait le stream un petit peu fourre-tout, sans sujet bien précis, mais bon, c'est l'occasion de s'amuser. Et euh, donc euh, voilà, je vais vous dire euh, bonne soirée. Je vous remercie de, de m'avoir rendu visite et je vous dis à la semaine prochaine. Euh, en espérant avoir ce coup-ci un sujet un peu moins bateau et, et un peu mieux maîtrisé, je l'espère. Salut!